Bonjour à tous, c'est Pakala, je suis en compagnie de Mentalis pour le Pokémon Nuzlocke Random Challenge, je l'ai bien dit. Exactement. Je l'ai bien dit, je suis content. Donc pour l'épisode 20 du Nuzlocke Random Challenge, machin, comment ça va? Eh ben écoute, je pète le feu, et toi? Eh ben écoute, je pète le feu aussi. Donc, alors, pour toi, il fallait que je te montre ça. Un colomar, excellent. Oh, ça, honnêtement, ça aurait pu être pire. Je l'aime bien, colomar. Regarde le level. Ah, niveau 7. Ah oui, merde. Ah ouais, non, ah, tout de suite, c'est moins bien. Voilà. Et donc, pour les autres, enfin, pour les autres, pour vous qui regardez la vidéo, j'ai fait pas mal de leveling. TJ a fait level 37, mais je ne l'XP pas. Je ne le sors pas tant qu'il a pas évolué. Et après, bon voilà, tout le monde est level 36, alors que attends, je vous avais laissé level 34. Hein? Remonte deux secondes que je puisse voir, là. Vu qu'en fait, tous les épisodes qui sont sortis, il y a une différence entre les épisodes que j'ai vus et les épisodes qui sont pas sortis, en fait. Ouais, je sais, sept épisodes, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, ça s'est fait un petit creux, d'ailleurs, Manta m'a spoil que Pakalas mourrait dans le prochain épisode. Non, il meurt même pas dans le prochain épisode, tu vois, c'est entre les deux, tu vois, à quel point il est pourri. Ah, il meurt entre les deux. Ah merde, je croyais que je le verrais en vidéo. Ah ouais. Non, il crève pendant une séance d'XP comme une merde. Ah merde. Bon bah il sera mort. Mais je crois que je crois qu'on peut le voir en live, je vérifierai, mais je crois que je peux filer le lien du live dans lequel il meurt. Vous pouvez me passer ça, parce que ouais, en fait, je crois que c'est l'épisode 14 ou 15 qui est sorti ouais, 14. Aujourd'hui, et là on est en train de tourner l'épisode 20, donc... Il y a une différence entre ce que j'ai vu et puis ce qu'il a maintenant, donc ma reste toujours. Et... Qui a pris baillement, donc pour un leveling. Ah, ça c'est bien ça. Azumarill. Enfin. Ah, mais qu'est-ce que j'en ai chié quoi pour celui-là. Ah, ça ouais, j'étais content quand j'ai vu les TGF2. Qui remplace TGF1. Tu prends des Pokémon de merde hein, pour TGF quand même, c'est pas gentil. C'était le premier Pokémon que j'ai capturé depuis la mort. Donc là, oh, on va aller à l'arène, mais on ne peut pas. Quelque chose invisible bloque la voie. On se demande de quoi. J'ai un gros bug dégueulasse, moi de mon côté. Ah, un gros bug dégueulasse, c'est-à-dire j'ai un gros écran violet et vert en fait. Ah ouais? Et je veux juste. Ouais, je crois que ça a complètement. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ah, ça lag un peu. Bon, c'est pas grave. De toute façon. Bon, c'est pas grave, donc on continue. Là, est-ce que tu vois bien arriver route 120? Ouais, route 120, ouais. C'est ok, ça. C'est bon. Ouais, bon, ça lag, mais. Donc, bah écoute, on commence pas un petit combat. Je sais rien. Combat lancé, pourquoi j'ai ce parasol? Je dis blablabla. Vous en fout de savoir pourquoi t'as du parasol? Parce qu'il pleut en plus de ça ici. Est-ce que t'as battu la reine qui est. Bah non, justement, je peux pas y avoir. D'accord, putain. Draco, ah oh, ce que j'aime ce Pokémon, je l'ai déjà dit dans l'autre épisode hein, qu'on a déjà tourné ensemble. Non, j'aime tu, non, non, tu l'avais pas dit, il me semble, pendant l'épisode. Il me semble que tu viens de me le dire, enfin que tu me l'as dit tout à l'heure en vidéo. Non, il me semble avoir dit, parce que quand vu que l'épisode qu'on a tourné ensemble est sorti il y a quelques jours, parce que j'aime beaucoup les deux, parce que voilà, c'est ça, on se l'est dit, parce que j'ai fait un truc du style, j'aime beaucoup les Pokémon Dragon, t'as fait ouais, mais qui n'a pas fait de team sans ah Pokémon, oui, c'est vrai, 100% Dragon, qu'avec ouais, des Pokémon 100% Dragon, machin, et voilà. Mais j'aime beaucoup Draco. Je le trouve classe. Enfin, je le trouve super, quoi, le Pokémon. Feu Forêt. C'est normal. Feu Forêt, alors lui, il a une excellente évolution, mais simplement en 4ème génération. En attendant, c'est une véritable lock. C'est pour ça que je ne connais pas son. Merde. C'est pour ça que je ne connais pas son évolution, parce c'est que. C'est Magirève. Magirève, ouais, non, mais je ça me dit rien, vu que moi j'ai arrêté après la 3ème génération, donc. Bah, on peut dire que c'est le même en plus puissant, beaucoup plus puissant. Bon, bah, alors j'ai fait le retourner au centre Pokémon, donc dites-moi que j'ai de l'antipara sur moi. C'est fou. Au pire, tu fais le vol, tu sais, pour tourner. Oui, je veux bien, le problème c'est que déjà j'ai pas le badge me permettant d'utiliser. C'est pas faux, vu qu'il est juste à côté. Voilà, et en plus. Ah ouais, je me souviens de ces journalistes. Ouais, bah c'est là-dessus que tu XP en principe, hein, en temps normal, à partir du moment où tu as vol. Bah oui, non, mais c'est. Ils sont tellement mauvais ceux-là, ils sont terribles. Normalement, ils ont quoi? Ils ont des Pokémon Roche, il me semble. Ils ont Magneton et Brouabam. Ouais, c'est ça. Tu vois, Magneton et Brouabam, hein, très bien respecté encore une fois. Magneton à gauche. Et voilà. Alors, Cacnea, je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien, il y a Typhlosion. Ouais, par contre, Typhlosion avec l'ombre, je pense qu'il y aura déjà un peu plus de mal. Bah, non, surchauffe.
Surchauffe, ouais, même si l'ombre il a quand même un type haut, non? Il est planté. Oui, mais bon, surchauffe ça fait pas du bien, hein, surtout qu'il y a 6 levels de différence, comment dire, bobo quoi. Ouais. Cool. Regarde, je vais te montrer ça. Voilà. Ah ouais, quand même, pas mal, pas mal. C'est la puissance de la surchauffe, hein. Ah non mais ouais, c'est plutôt pas mal. Et je vois que c'était GF qui a le multi-air. Qui a l'XP, bah oui, forcément. Alors, eux, ils veulent m'interviewer, mais non, je... Alors, moi, je le faisais de temps en temps, mais c'était chiant, c'était obligé de rentrer des trucs à la con. Mais... Voilà, et surtout qu'ils peuvent même pas écrire ce que tu veux. Bon, ouais, alors... ça donne des phrases à la con, c'est le truc complètement à chier. Ouais. Allez, c'est parti pour choper un Pokémon, hein, sur cette route, donc la route 120. Attends, non, bon, je capture. Comment il s'appelle? C'est normalement, c'est pas Tropico machin que tu peux avoir. Tropius, c'est la route qui est à gauche. C'est en dessous, non, ici, c'est Absol. Absol, ah, Absol qui est sympa aussi comme Pokémon. Yep. Puis ça, c'est un Pokémon ténèbre. Elle est cool. J'aime les Pokémon ténèbres. Il est stylé surtout, attends, on dirait un gros chat. Ah ouais. Ouais, mais c'est plus que ça. Tu sais, il me fait penser. À quel Pokémon il me fait penser? Il me fait penser à un Pokémon, mais alors ok. Enfin, je sais pas, je trouve cool. Un Fampi, oh, ça se sent pas un Fampi. Dunphan est sympa. Ouais, ouais, bah c'est son évolution. Ouais, bah. Mais. Fampi, il est mignon, il fait tout petit éléphant. Tu sais, il fait penser au petit éléphant qu'il y a dans le livre de la jungle. Moi, il me fait beaucoup penser à. Ouais. Au co-éléphant. Au co-éléphant, ouais. Non, ça a aucun rapport, sauf que les deux ont une trompe en fait, une trompe bleue. Ouais, à part que les deux sont soi-disant des éléphants. Quoique, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que Donphan ressemble moins à un éléphant que. Qu'un sanglier. Bah ouais, c'est ça. Si je me souviens bien, il a des cornes, c'est genre des grosses cornes, Donphan, mais pas des défenses d'éléphant quoi. Il est pas grand, il est petit, machin. Je sais pas pourquoi il passe d'éléphant à sanglier éléphant, mais. C'est un sangléphant, c'est bien ça, un sangléphant. Exactement. Non, mais Fampi est plutôt ça. C'est quoi cette ball là? Je sais pas, mais je vais l'utiliser, elle me prend de la place. Alors, une scuba ball, tu dis pas n'importe quoi, je crois que c'est pour les Pokémon aquatiques. Les Pokémon sous-marins, exactement. Sous-marins, ouais. Donc, Fampi dans Pokémon sous-marin, on repassera quand même. Ah bon? Ah, mais merde! Même si je doute pas que quand on est en plongée, on puisse en se croiser. Ça m'étonnerait pas. Moi non plus. Mais quand même, faut pas déconner. Allez, on va faire souplesse, tant pis. Ah, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Mais ouf, il a baigné. Il va se blesser là. Ouais, ok, j'ai rien dit. Alors là, il s'est vachement bien blessé, c'est genre là. T'es sûr qu'il s'est blessé? J'ai vu, tu sais, il y a un demi-pixel qui est parti. Ah, c'est ce qui me semblait, hein. Ah, c'est n'importe quoi. Allez, c'est bon, là il est allez, bon. Allez, ça va le faire. Yeah. Ouais. Et donc, comme c'est la tradition, tu dois trouver un nom pour ce Pokémon. Merde, et si on l'appelle Donphance? Nope. Ah, allez, mais... vite. Le nom d'un de tes abonnés ou de n'importe qui, vas-y, vite. Mais je sais pas, moi j'aime pas faire... Mais un youtubeur que t'aimes bien, n'importe qui. Un Mortalis? Non, ah mais avec mon propre pseudo. Hein? Je vais pas mettre mon propre pseudo. Alors tu mets Montachou? Mais non, mais j'ai déjà. Mets Montachou! Non! Tu le fais. Non. Allez, écris Montachou. Non. Si. Ça rentre alors, pas. Tu sais ce que je vais faire? Alors je vais prendre la dernière vidéo que j'ai postée, je vais prendre le dernier commentaire qui a été mis. Ok, vas-y. Alors hop, vous permettez 30 secondes s'il vous plaît. Alors c'est. Oh merde. Par contre, il y a un pseudo imprononçable, tu te débrouilles pour enfin pour un pseudo voilà qui rentre et qui est prononçable, merci. Enfin, j'ai pas envie de dire tiens j'envoie Glubblub au combat. What? Ouais non mais cette chance, c'est LBLC Raver. Non mais quelqu'un avant alors. Ou alors attends Raver t'as dit? Non c'est le bug Raver de pseudo. Voilà au pire tu mets. Non mais Belzef c'est celui qui a posté juste avant et c'est un pseudo qui paraît. Comment t'écris ça? B-E-L-Z-E-2-F. C'est genre Bel et Zef. Après, ouais, j'ai gardé cette page ouverte comme ça. Alors, t'as dit Z, c'est ça? Bel, oui, au pire, on s'en fout, on y passe après. E-2-F, c'est ça? E-2-F, oui, effectivement. Belzef, c'est comme ça. B-E-2-L, oui, non, c'est ça. Non, y'a qu'un seul, je sais pas. Non, y'en a qu'un, je sais pas pourquoi j'ai dit deux. Parce... Ok. Voilà. Donc, on a un Belzef. Ici, on a un ornithologue. Allez hop. Si on en capture d'autres, je sais comment on les a. Allez.
Si on capture un gros tas de morphes, on l'appellera Serba 2. Oh, c'est méchant. Oh, Gardevoir. Qu'est-ce que j'aime, Gardevoir. Ouais, bah, on en parlait tout à l'heure, justement. Ouais, mais il est tellement classe. What? Psycho Boom. Aïe. Soit pu être pire. T'as de la chance qu'il soit moins fort que toi. Capture-le. Mais bien sûr. Comment ça, c'est Pokémon d'un dresseur? Rien à foutre, capture. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé ça logique, mais bon. On puisse pas capturer le Pokémon de quelqu'un d'autre. Bah non, mais enfin, techniquement, si on parle de... Enfin, je sais pas, il y a une certaine filiation avec la Pokéball dans laquelle tu captures ton Pokémon, tu vois, je veux dire... Aucune preuve. Ouais, je sais bien, mais sinon, ça voudrait dire que tu pourrais les changer de ball assez facilement. Et tu vois, par exemple, quand tu utilises ta Master Ball pour capturer un Pokémon à la con, et bah, tu pourrais le transférer dans une Pokéball moins importante. Tu vois? Ça serait un petit peu bizarre, donc je sais pas. C'est... Ouais, mais au final, c'est cheaté parce que tu pourrais sans doute récupérer ta bah oui. Ta ball. Bah justement, c'est pour ça qu'il vaut mieux que une fois que le Pokémon est capturé dans une ball, il puisse rentrer que dans cette ball là. Et donc, ça paraît normal qu'il puisse pas être capturé dans une autre. Mais de toute façon, c'est du vol. Et le vol, c'est mal. Surtout le vol de Pokémon. Qu'est-ce que tu racontes? Ça a jamais été interdit ou quoi? N'empêche, il y a un truc qui pourrait être cool dans Pokémon, c'est qu'on puisse avoir une version où on est un méchant en fait. Ouais, grave. Ça serait cool. Team Magma. Mais ouais, mais tu sais, genre quand t'étais petit, tu voulais. Tu sais, il y a des fois, t'es tenté quand même de rentrer dans la Team Rocket. Moi perso, j'ai toujours été tenté d'être dans la Team Magma. Ouais, mais moi aussi. Enfin, moi je trouve ça cool. Je me dis, ça pourrait être bien de jouer un petit peu aux méchants, histoire de changer un petit peu et d'arrêter de sauver. Quoi, tu veux pas rentrer avec nous? Mais si, je veux. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Surtout le jeu du pont pépite quoi, qui te dit mais si tu sais que si on va te casser la gueule, mais moi je veux vous rejoindre, bande de con. Comment ça tu ne veux pas? Je te défie. Et après une fois que tu l'as battu, t'es sûr que tu veux pas, parce que t'auras mais oui je veux rentrer. Pitié. Oh, ça c'est n'importe quoi. Ça y est, j'ai le Demon Scope, je vais pouvoir me taper la reine. Hop, par contre je peux te regarder à quelle heure on avait commencé. Eh ben on a commencé il y a à peu près 5 minutes. Ok. 10 peut-être, enfin je sais pas, le temps passe vite, mais on va dire qu'on a commencé à 25. Ok. Non, parce que l'épisode précédent fait déjà une heure en fait. Une heure, une. Ouais, il faisait 45, 50 minutes, un truc comme ça. Non, voilà, donc c'est bien, non? Bah, moi j'aime bien les longs épisodes, le problème c'est tout. Putain, j'ai le sac qui est plein, il faut vraiment que je aille sur de la vente quoi. Bah, t'as pas un super bonbon à donner à l'un de tes Pokémon là tout de suite? Bah, non, sinon, bah, je pourrais stacker. Attends, hop, tant qu'on. Ah, ouais, c'est pas bête. Il me semble qu'il... Ouais, il se barre. Casse-toi, t'es moche. Cette animation magnifique. N'est-ce pas, hein? Ouais, je viens d'y repenser, mais... Attends, on va d'abord passer au shop. Au shop, oh là. Au magasin. Au Pokégasin. Tu payes en Pokédollars, des Pokéobjets. Alors, qu'est-ce qu'on va lui vendre? Huile, on garde, antidote, je garde, précision plus, je jette. Voilà. Quand sorti, pourquoi tu l'as pas utilisé en fait? Au pire, c'est que tu l'utilises sur n'importe lequel et puis. Non, mais ça, c'est des trucs de combat quoi, et j'ai la flemme de lancer un combat pour l'utiliser. Ah ouais. Plop. Alors, rappelle Mac, je vends. Grande paire, je vends. Mais forcément, rappel, tu risques pas de. Protéines, je vends. Lettre port, je vends les deux. Rappel, je vends les deux. Putain, j'ai jamais été riche dans un jeu Pokémon. Est-ce que tu t'as une cabane ou est-ce que c'est trop? Non, j'ai pas fait, mais j'ai dit que je voulais en faire une, mais j'ai pas encore trouvé le bon endroit. C'est cool ça d'avoir une cabane, mais non, moi je sais que je me mettais souvent là en bas de cette ville sur la gauche. Moi c'est pas là que je mettais, c'était juste en dessous de la Vandia. Là, sur la petite île. Ouais, là je vois plus. Tu vois, quand tu peux rentrer dans la piste cyclable, tout ça, juste en dessous de la Vandia. Ouais. Juste, encore en dessous, t'as un pêcheur. Ouais. Et dans cette étendue-là, en fait, t'as à droite pour aller à la. Pour le souterrain, là. Voilà. Et justement, en plein milieu, t'as gauche, un arbre. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est là où j'allais souvent. Alors, elle est assez grande celle-là, parce que je me souviens plus du tout. Justement, enfin, elle était sacrément grande. Hein. Parce que il me semble me souvenir que celle qui est à côté est pas. Trop petite non plus, c'est pour ça que je me mettais là, mais c'est pas grave, bref.
Vous aussi, dites-nous comment vous mettiez, où est-ce que vous mettiez votre cabane et qu'est-ce que vous mettiez dedans. Moi j'aimais bien mettre des tapis puis des doudous là, des saloperies de. Des doudous de saloperies, ok. Ouais, bref. Voilà. En fait, est-ce que toi aussi tu gardais tous tes élixirs et toutes tes potions pour les combats de la nuit? Ouais, mais en fait, moi je me disais toujours non, je peux pas l'utiliser maintenant, ça me sera peut-être utile plus tard. Et je suis fini le jeu, tu fais. Mais en fait, je m'en suis jamais servi. Alors que tu sais, il y a genre 36 000 moments où tu peux le faire. Tu devrais t'en servir. Oh mais... putain, ça commence mais... bien. Ah, cette arène. Ah, oui, ça va être cool. Puis ça, c'est genre quand t'es petit, t'es con, tu comprends pas bien comment ça marche. Donc tu non, galères moi, bien. Moi, j'ai tout de suite compris, mais bon. Oh là là là. Ouais, ok, alors quand j'étais petit, j'étais con. Ouh, un Tangalis. Oh putain, j'ai oublié de me soigner. Ah oui, parce que t'es allé au shop et t'es pas retourné te soigner. Bah ouais, non, mais j'aurais dû penser. C'est pas. Oui, grâce. Putain, j'aurais pu rester en fait. Bah sur chaud, j'ai pas envie de m'emmerder. Oh, une petite flamèche, je suis sûr que ça suffisait. J'ai plus flamèche avec ce Pokémon. Attends. Ah, dans le dernier épisode que j'ai vu, tu l'avais encore aussi. Ouais, mais c'était il y a 20 levels. Ouais, 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 non, il y a 10 levels, tu veux dire. Ah non mais là... Allez hop là. Mais déjà quand j'avais fait l'arène avec toi... Ouais, quand même qu'il y a pas de vraies attaques. Hop là. Alors ouais, j'ai fait ce dresseur mais c'était en goodies hein. Ah tu vas pas les faire les dresseurs. Oh putain, un 2 contre 2. T'as quoi comme deuxième Pokémon là? Armaldo. Oh, c'est rare. Je crois. Ah vu qu'ils sont... Vu que c'est des Pokémon oiseaux et puis plantes... Ah non non, j'ai rien dit, j'ai oublié. Ah, Corailon, très belle Pokémon oiseau. Bon, Ratata est pas plus mal, alors, mais quand même. Attaque, tire debout sur lui et sac. On va soigner l'autre tâche. Parce que j'ai pas envie de switcher. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Vive attaque, ouais, j'avais senti venir. En même temps, c'est Ratata, c'est soit. Vive attaque, soit Chrono Mort. En dehors de ça. Perso. Je préfère la vive attaque, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, disons que ça te permet d'attaquer plus rapidement. Si t'as un level assez sympathique, c'est bien, mais Chrono de mort. Putain. Ouais, c'est plus ça. Putain, ce Pokémon de merde. Tiens, j'ai l'impression que ça lag de notre côté là, au niveau conversation. Pas chez moi, après je ne sais pas, et vu que je fais rien, t'échanges. Non, cherche pas, ça c'est bien. J'espère que ça gênera pas trop. Parce que... Oh non, c'est pas grave. Au pire, de toute façon, ils vont pas se plaindre. Hein. Voilà, si venaient à se plaindre. Mais oh non, si vous voulez vous plaindre. Oh non. Ok. Mais en Nuzlocke, c'est juste le pire Pokémon du monde. Oh là là. Oh. Ah, je suis content parce qu'à chaque fois que je te regarde, t'es comme tout le temps contre des Pokémon de fou. Mais non, mais pourquoi un Culbutoke? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, là, je rigole, il en envoie un deuxième, si Oh, Coxyclaque, ce Pokémon de merde. Oh là là là. Un Pokémon déchet encore. Putain, en plus, il lance une Protect. Quel enculé, il me troll. Il savait très bien qu'il mentit. Ah, mais j'ai une attaque anti-Culbutoke. Eh ben, il ment. Il va dormir, il va pas pouvoir la caler, ça voit le miroir. J'espère pour ça. Putain, avec Coxyclope qui résiste à 2 PV. Oh putain, mur lumière. On s'en fout ça. Mais si, ça augmente la défense P, je comptais le. Oh putain, rune protect, protège du baillement. Prélèvement du destin, non mais. Utilise problème de Death Star. Allez, ça va le faire. T'as pas un truc genre. Qu'est-ce qu'il pourrait lui toucher? Non, je sais pas. Ah, level up. Cool. T'inquiète pas, ça va pas durer, mais il est bientôt mort. Enfoiré. C'est le gros enculé. Putain, ah, j'ai bien fait d'attaquer au pistolet à eau. Oh putain, c'était un pistolet à eau, quoi. Ah oui, quand même. Oh, t'es dans la merde. Oui, j'attaque avec la troc et je vous emmerde. Le but, c'est de pas claquer un bébé Pokémon. Pauvre Marais qui est en train de tout se prendre dans la gueule.
date Pokémon Kamsuki Butoke quoi. On voit le miroir. Mais à mon avis, il a que voit le miroir. Non, il a aussi une protect. Oui, non mais. Allez, dors. Et c'est là où il me fait riposte. C'est wouhou, petit flosion. Non, c'est bon. C'est tendu. Ah oui, quand même, là, c'est... C'est bon, il est KO. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y a des moments où tu vas en chier, quand même. Parce que là, c'est pas encore les moments forcément les plus durs. Et quand tu vas tomber, là, tu sais, genre dans les dernières grottes, où t'as des Pokémon qui sont au niveau 40, je crois, quasiment. Bah, logiquement, j'aurais aussi une sacrée avance de level, hein. Oui. Ouais, mais quand même, quoi, je veux dire, ça sera pas forcément le plus facile. Il suffit juste, c'est genre d'un CC bien placé, puis tu perds un Pokémon juste avant la ligne. Ouais, bon, ça posera pas de gros problèmes. Après, j'ai toujours le multi-exp, quoi. Mmh. Ouais, il y a de ça aussi. Hop là. Puis au pire, c'est pas grave, il recommencera la partie, vous le dira après, il recommencera la partie, et puis... Oh là là, il s'est rien passé. Mais non, c'est l'âge de faire ça. Hop là. Oh là là, encore un 2 contre 2 quoi. Tu les as soignés ? Non, j'ai pas de soins. J'ai la flemme d'aller en acheter. Alors t'es allé au shop, t'as pas acheté de soins et t'es pas allé soigner tes Pokémon avant de ça. Normal. Tais-toi ! C'était calculé ! Oui. J'en doute pas. De toute façon, je m'en fous, j'ai plein de soins. Ah, je fais quand même pas. Ah ouais, avec des bêtes. Ouais. J'avais ah, dit PO. 3 heures. C'est bon, de toute façon, j'en ai plus. Allez, go. En avant. Dis-moi ah, que tu voudras pas aller te soigner là avant de te choper contre la. Contre oh, la t'inquiète, j'ai pas peur. Tant que j'ai des PP, ça me va. Alors, sur quoi on tombe? Florizard, normal de sortie. Florizard, il a quand même la classe. Bon, remarque, là, j'ai envie de dire que ça tombe sacrément bien. Hein. Voilà, oui, là, tu vas les défoncer. Bah, attention à pas faire surchauffe, quand même, ce serait con. Et c'est là où il me s'envoie le miroir. Oh putain! Mais non, mais casse-toi! Oh, le gros truc de pute! Ah, mais. Ça sert à rien, poudre toxique! Ah, bah, ça sert à empoisonner ton Armaldo. Tais-toi, moi c'est pas un Pikachu. Ouais, mais moi mon Pikachu, je m'en fous, je faisais pas un Nuzlocke avec. Et pourquoi tu faisais pas de Nuzlocke? Pourquoi? Hein? Parce que je voulais capturer les 30 Pokémon. Ouais. Parce que pour la petite histoire, j'ai commencé une partie. Et l'autre t'aurais jour, sel, hein? Ouais, voilà, par exemple. J'ai commencé une partie de Pokémon Rouge-Feu pour le LOLs, et je me suis dit, tiens, je vais me faire un Nuzlocke, je vais essayer tout ça, donc je commence le truc, ça se passe bien. Et par contre, du moment où j'ai vu, je me suis souvenu qu'il y a un Pikachu dans un forêt de jatte, et puis le jeu, au moment où j'ai perdu mon Reptincelle, je fais, ouais, non, rien à foutre, je fais pas de Nuzlocke. Je vais normal. Ouais. Et après, j'ai torché le reste du jeu, parce que trop péché, tout ça. Spectrum, ouais. Il est bizarre son sprite à Spectrum, ouais, sur cette version là. C'est bizarre, mais bon. Et, justement, j'ai vu celui de Rouge-Feu était est assez sympa. Non, mais c'est normal, c'est parce que sur Rouge-Feu on le voit, alors que normalement, t'es pas censé l'avoir. Enfin voilà, Spectrum, c'est pas un Pokémon. Enfin, ils ont quand même fait les sprites, mais à mon avis, ils l'ont fait à la va-vite parce que c'est pas un Pokémon qui est censé croiser. Ouais, je pense que là, c'est. C'est un peu bizarre, enfin là je le trouvais assez moche même, on peut le dire ça comme ça. Par contre je pense que si tu ne vas pas faire soigner Armaldo... T'inquiète, Mantagère, tiens. Ah t'as peut-être... Ouais, Mantagère, Manta, étagère. T'as pas d'antidote? Manta? Je suis en train de réfléchir, si je fais ça. Ça servira à rien. D'abord que t'aies bougé celle sur la droite. Bah à mon avis ouais. Ok j'ai compris. Ah putain. Ah non d'accord, ok, c'est d'accord, dans le j'ai sens. Ouais, c'est bon. Et forcément. Okay. Voilà. Je m'attendais à ce qu'il me saute dessus. Bon de toute façon j'étais obligé de le faire, mais bon j'aurais préféré d'abord résoudre l'ennemi. Ça
ça c'est un truc frustrant parce que ça y est, l'énigme je la vois depuis le combat précédent, puis voilà quoi. Voilà, tu sais, genre, moi j'ai toujours cette peur de, une fois que je vais être en combat, je vais oublier ce que j'avais dans la tête, et donc quand je vais revenir, enfin quand je vais pouvoir le faire, bah je pourrais pas. Oh non, c'est super efficace. Moi c'est pas. Bah oui, c'est un Pokémon Sol. Ouais, mais c'est surtout le côté super efficace qui m'étonne. C'est. J'ai perdu un tiers de ta vie, même pas, c'est. Et en plus, forcément, je prends un jet de sable et devine ce qui se passe, je touche plus. Ça va. En mettant la précision de fou. Mon dieu, c'est Pokémon quoi. Tranche, vas-y. Utilise une attaque. Oh là là. Sur Armaldo quoi, t'es intelligent toi. T'es un bon. Ah, y'en a qui ont de l'espoir quand même. Oh oui. C'est genre, tu vois pas, mais Armaldo c'est quand même un truc. T'as l'impression que c'est juste genre des trucs de. Des grosses protections de partout et tout. Mais c'est un tank. Je te griffe. La grue. D'accord. Hop là, donc ça c'est fait. Je voulais dire un truc intelligent, mais j'ai oublié. Ah bah tiens, merde, on est déjà championne. Bon, comment se porte la team? Trop mal. Soigne peut-être un petit peu ma rest, parce que. Non, mais le problème c'est que j'ai qu'une seule hyper potion, ça va pas passer. Ouais. Hop là, donc on va aller acheter 2-3 conneries. Hein. Hop là, et on va aussi penser à soigner. Enfin, j'espère que je vais y penser. Je te le rappelle, t'inquiète. En tout cas, je suis plutôt content parce que j'ai jamais eu autant de sous dans un jeu Pokémon. En même temps, non, mais l'argent dans Pokémon, je me demande, tu sais, comment tu fais pour vraiment tout dépenser parce que. Enfin, en étant raisonnable, on va dire, je veux dire, même en achetant beaucoup de potions, de balls et tout ça, c'est quand même dur d'être vraiment à court d'argent, parce qu'il suffit juste de battre un dresseur et vous gagnez 1000 et quelques, voire même plus quand vous battez contre la ligue, vous gagnez des sommes, et c'est. Oui, c'est sur la fin du jeu. Ouais, mais sur la fin du jeu, mais je veux dire, c'est pas non plus. Je veux dire, même d'une manière générale, en jeu, il faut pas. À moins que tu t'achètes vraiment 36 000 potions et que tu les utilises pour tout et rien, mais. Bah, tu connais le principe d'un Nuzlocke, c'est que tes Pokémon ne doivent pas mourir, donc les allers-retours. Oui, mais je veux dire, le fait de faire un aller-retour au centre Pokémon, ça te coûte rien. Je veux dire, c'est pas comme dans Pokémon Gem où ils ont fait payer les soins Pokémon. Pas en facile. Je sais pas, je jouais pas en facile. Donc, j'en sais. Je sais que moi je l'ai payé, et sur le coup, ça m'a surpris. Là, je comprends, c'est que tu puisses être à court d'argent parce que tes Pokémon ils prennent cher. Et en plus de ça, dès que tu vas les soigner, bah ça te coûte une blinde. D'accord. Mais okay. Ce qui m'avait tué, moi, c'était le fait que t'avais Red qui t'attendait à Argenta, quoi. Oui, et puis avec une équipe de merde, enfin. Avec non, lui, une bonne équipe. Mais toi, t'es une équipe de merde. Ouais, c'est ça. Hein. Je dis, attends, tu fais putain. Hein. Tu t'es. Hop là. Ça va nettement plus vite là d'un coup. Ah bah, de toute façon, du moment où tu sais à peu près par où il faut passer, c'est bien. Hein. Ça va plus vite quand on se prend pas de mur. Alors, Pokémon, voyons ça. Bon, ouais, ça va passer comme ça. Go. Alizé, champion d'arène, blabla. Champion d'arène oiseau. Alors, on parie qu'elle a combien d'oiseaux? Moi, je dis 1. Je suis sûr qu'elle a un Pokémon oiseau. Ouais, quand même, 1 pour sauver l'honneur. Bah tiens, voilà, la coxyclaque. Bah voilà. Ça, ce putain de Pokémon oiseau. Ouais, mais n'empêche, ça fait deux fois qu'on le croise dans. Bah ouais, bah alors, c'est pas minute, hein. C'est vraiment le Pokémon préféré de l'arène, apparemment. Bah, en même temps, c'est tellement un bon Pokémon aussi. Ah, best Pokémon oiseau ever, quoi. Ouais, mais attends, il est trop bien, il a quand même 4 petits bras et puis des petites ailes toutes mignonnes. Ramolos, putain, est-ce que j'aime Pokémon plante, moi? Mais j'ai toujours pas de Pokémon plante! Bah t'as. Ah non, je vais dire t'as TGF, mais non, c'est vrai qu'il est mort. Bah si, j'ai TGF, mais il est roche aussi. Oui, mais enfin, le TGF de base. Le vrai. Ouais, celui qui a pris un mauvais. Qui a passé un sale quart d'heure. Oh putain, un pistolet à eau, quoi, mais va te faire voir, quoi. Oh putain, il fait mal, je me casse. Bon, bah, go, ma reste. Je remarque non plus que t'as pas de Pokémon électrique. Oui, mais ça pose pas de problème, je peux apprendre une attaque électrique à Marais si je veux. Ah oui, non, c'était juste parce que moi j'aime bien les Pokémon électriques. Oui, en fait, t'as conscience que les Pokémon électriques, ils sont. What, c'est tout? Mais. Non, mais c'est vrai, y'a protection. Ah, puissance. Y'a protection en face. Y'a aussi le fait que ton Marais soit pas très fort. Oui, aussi.
c'est peut-être l'un des meilleurs Pokémon de ton équipe avec, avec le tank là, mais c'est tout. Et n'oublie pas ce petit Pokémon feu qui est Typhlosion. Non mais Typhlosion, c'est pas un tank, vraiment pas. Ah non, mais il fait partie des Pokémon qui sont pas mauvais dans ton équipe. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai. Hein. Parce que t'as plus de Skirino aussi, je suis en train de penser, là, je vois plus, mais là, il est mort. Bah, il est mort depuis un sacré bout de temps. Il était mort dans l'épisode que t'as vu, normalement, non? Ouais, mais je suis en train de me souvenir qu'il est mort, en fait. Alors, étonnement... En fait, je regarde ce truc, mais je suis là, il est mort, c'est vrai, c'est dommage, mais tant pis. Tu crois, toi, je vais tuer un Ramolos à l'étonnement. Surtout que l'étonnement étant l'une des attaques les plus puissantes que je dois connaître. Non, je joue aussi Acide qui est sacré en puissance, mais... Oh, putain! Il faut pas emmerder tes GF, hein, visiblement. Ce combat est trop long, attends, je te dégomme. Il est mort une fois, il va faire un petit clic. Très très oiseau, hein. Regardez-moi ces magnifiques airs. Il vole en battant des pieds. Mais non, il fait comme Astérix, il boit la potion magique. Oh, mais là... Pied voltige, bah tu vois qu'il vole. Putain. Oh, putain, ça fait mal par contre. Mais je fais quoi là? Armaldo. Je sais, j'ai une idée. Je vais tuer pas K2. Non. Oh putain, je peux foutre une attaque. Ah, je peux en foutre deux. Attends, il faut que ça lui inflige plus de la moitié de sa vie en décor. Oh putain. Non. Mon dieu, mais je fais comment? C'est quoi ce putain de... Mais ton problème en fait, c'est que t'as pas de Pokémon qui permettent d'endormir ou de para les... Si, j'ai ma reste. Ah bah oui, avec Baïmon. Bah oui. Ah, t'aurais dû faire ça. Putain, il a survécu. Ah, t'as de la chance, putain. Heureusement qu'il est con, hein. Ah, mais j'ai vu venir. Oui, tout ça, de toute façon. Ça, à partir de la troisième génération, ils ont ce réflexe à chaque fois que son Pokémon a un peu... Ouais, même avant, je crois, hein, même quand il tombe dans le orange assez bas, il faut dire. Alors là, s'il t'attaque... Mais tu prends tellement cher. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé de laisser Azumarill. Sinon, je vais perdre l'initiative. Oh, oh putain. Non. Non, j'en ai chié, non. Non. Non, Azumarill. Ah, excellent. Oh, pauvre Azumarill. Oh, oh putain. Bon, t'as vu combien de vitesse, espèce de putain de macabre. 60, faut que j'envoie un truc qui a au moins 60 de vitesse. On va envoyer. Oh là là. T'as combien? Est-ce que t'as... Attends, dommage, il n'y a pas vu d'attaque, ça aurait été épique. Bon, Typhlosion en avant. Oh non, mais non, mais j'ai perdu. Il va se massacrer son équipe, le pauvre. Ah putain. C'est bon, ça passe. Bon, ça passe, mais c'est tellement chaud, mec. Mais alors là, je suis dégoûté pour toi, là, le pauvre petit Azumarill. Ça fait genre 15 ans. J'en avais chié! Épisode que t'en chies pour le monter, et maintenant que t'as Azumarill enfin. Allez, ça y est, je craque psychologiquement, surchauffe. Cassez-vous, vous me faites chier. Je m'en fous de l'attaque spé qui baisse beaucoup. Oh non, il a plutôt de Pokémon. Si, il en reste un. C'est là où ça me sert un Pokémon plante, tu vois. Ça. Ratata. Très très beau Pokémon plante, regardez-moi ces très belles fleurs qui lui poussent sur le front. Non, c'est ses moustaches et fleurs. Ah merde. Putain, non. Non, non, non. Ouais, mais normalement, Ratata, quand même, niveau 30... Bah, vive attaque ou critique, ça fait quand même son effet, hein, quand t'as la moitié de ta vie en moins. Bon, dans tous les cas, il est mort au prochain tour. Si je meurs pas. C'est bon. Ah, bah voilà, bah c'était un champion d'arène très très facile. Putain. Et j'ai TGF qui va évoluer. Bon. C'est con là quand même. Non. Quoi? TGF 2 évolue? Pom pom pom. C'est vrai que je n'ai pas le son, alors je suis obligé de faire les bruitages à la bouche. Ah, c'est triste. Couchiche. Arrête ça. Je viens de pourrir l'évolution du Vasilis. Oh putain, l'animation pourrie. Ouais, c'est clair, j'imagine trop bien. Oh, j'ai fait le même mouvement de tête. Faut
faut que je te montre sa putain de capacité spéciale qui est juste énorme. Attends. Oui putain c'est Azual, mais j'ai pas de putain de Pokémon qui peut voler. Mon dieu. T'as pas de Pokémon ouais. Vol. Ah ouais. Ah mais j'en veux pas ton putain de numéro de Pokénav, tu vas me flouder. Donc attends, regarde la super capacité spéciale de TGF, attention. Ouais. Bon. Mais décidément, c'est que t'as vraiment des Pokémon super trop bien. Oui, grave. Bon. Mais en fait, il va falloir que tu trouves un nouveau Pokémon haut aussi. Non, bah non, ça va, un Pokémon haut, j'ai encore ma reste. Ah ouais. Putain, non, mais casse-toi. Hé, hey, Manta, c'est moi. Hé, hey, peut-être que tu es le dresseur, n'oublie pas. Ah oui, en plus, ça, Scott, c'est le fan machin, enfin, c'est plutôt le... Oui, c'est ce type qui chope un peu n'importe où pour te parler, quoi, mais on s'en fout, c'est avec les... Oh là là, mais moi, j'aime bien les gens connus et célèbres. Oui, mais on s'en fout, t'as bisexuel avec les mouches. Et je viens de remarquer que Morpheo a la... Enfin, je viens de me rappeler que Morpheo a l'eau mystique qui m'aurait permis de tuer le Kikli avant qu'il me tue. Fuck. Bon, alors, bah tiens, tu vas m'aider à choisir le prochain Pokémon que je vais avoir. Cool. Alors, qu'est-ce que t'as... Oh, attends, t'as... Ouais, non, c'est... Ah, pauvre petit paquin. Bah alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que t'as? On a rien. Ah, alors, je vois un Pharaon, un Magron, ouais, ton... Un Magron est niveau 6 aussi. Ouais, mais ça me dérange pas, le leveling va être très rapide, hein. Ouais, forcément. Ponyta, très très bon. Ah, comment il s'appelle? Pokémon qui est au-dessus de Ponyta, je l'aime bien. Macronium? Ouais. Oh bah, donc on fout Sam Chita. Mais j'ai pas déjà un Pokémon. Bof, oui, non, mais vas-y, ça compte pas comme un Pokémon plante. Bah, au pire, vas-y, tu le vires et puis tu prends genre Pharamp avec toi, parce que Pharamp il est classe aussi. Pharamp j'aime bien, mais non, j'aime bien les Pokémon électriques et Pharamp. À ce moment-là, il rentrerait en conflit avec. Comment il s'appelle? Avec Marest. Parce que ça sert à rien d'avoir de Pokémon Sol, quoi. Et Marest, clairement, je préfère que ce soit lui qui est séisme plutôt qu'un putain de fort. Ouais, mais Pharamp il est électrique, il est pas ça. Ah, Pharamp, pardon, moi je parle pas de Pharamp, je parle de Truduc là, de Marest, pardon. Marest et Fampi. Donc, ouais, toi tu veux Pharamp. Enfin, Pharamp, oui, Pharamp. Ouais, Pharamp. Il est pas un Pokémon électrique. Et à la moi j'aime bien le Pokémon électrique. Alors. Ouais, on vire pas K, t'as raison, il sert à rien. Bon, bah, de toute façon, Clobar. Ah, autant moi je l'aime bien parce que je le trouve stylé, mais niveau 6, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a quoi? Il doit avoir. Je suis même pas sûr qu'il ait bulle d'eau. C'est même pas sûr. Ouais, non, mais à mon avis, surtout, il doit surtout avoir des CS quoi. Des CT. Oui, si, c'est des CS. Prendre. Ouais, bah tu dois pouvoir lui apprendre surf, cascade, ce genre de conneries quoi. Mais... Oui, y'a cascade. Oui, si, y'a cascade. Oh putain, d'ailleurs, c'est le prochain badge. Oh. Ah, effectivement, ouais, le Morpheo, il arrive. Voilà. Par contre, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser Morpheo. Ouais. Parce qu'on te le donne à la station météo. Et que j'avais déjà capturé un Pokémon sur la même route. Ouais, mais vu que. Ah ouais. Et t'as capturé quoi comme Pokémon? Un Jaskier. On peut dire que tu veux. Non, mais honnêtement, je sais pas si dans les règles du Nuzlocke c'est prévu. Je sais pas. On a le droit de capturer qu'un seul Pokémon par route. Mais ça compte pas les donations. Enfin, je sais pas. Bah ouais, parce que techniquement, c'est pas une capture en fait. C'est... Ouais, on m'a donné cette sous-merde. Non, on va s'arrêter, enfin, on continue, on s'arrête. Oh, comme tu veux, ça fait une bonne demi-heure, là, donc... on va faire trop d'épisodes long d'un coup. Ok, y'a pas de soucis. J'ai pas envie que... Voilà. Et pour une fois, j'ai pas sauvegardé avant le champion, Samchi prends-en note. Non, parce que Samchi me troll à cause de ça. Voilà. Ouais, enfin... Qu'est-ce que tu veux, moi, c'est comme moi, à chaque fois que, avant de battre un champion, même si mon équipe est quasiment full life, je vais toujours la faire soigner, en fait. Je bats tout le monde dans l'arène, et après, je vais faire soigner tous mes Pokémon. Et après, ça, c'est comme tout le monde, enfin, voilà, c'est réflexe. Non, mais je sais pas, ouais, mais c'est réflexe à la con, quoi, je veux dire. Mais toi, tu sauvegardes juste avant, moi, je sauvegarde avant la ligne, et c'est tout, quoi, mais moi, je sauvegarde pas beaucoup. Bon, alors, qu'est-ce qu'on équipe en premier, Pharamp ou Samchi? Oh, moi j'espère d'abord Samchi parce que je l'aime bien. Tranchère, protection, poudre toxique, synthèse. Donc lui, je pense que ce sera mon dual screener. Mm-hmm.
Et toi clairement tu vas être montant, ok, on a... Putain, il est honte de choc quoi le machin. Ouais. Bon, ça va, honnêtement, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ouais, mais j'avais déjà utilisé un petit peu. Hein. J'avais capturé au level 16. Ah ouais, mais j'ai déjà fait équiper et tout. Ouais, d'accord, donc honte de choc, c'est moi qui l'ai pris. Bon, voilà. Donc, ouais, c'est cool. Donc, objet. Donc, on va donc équiper la sous-merde en premier. Et pour une fois, il a un level cohérent par rapport à son évolution. Ouais, parce que je sais pas à quel niveau. Germignon évolue, mais... Level 16. 16, ouais. Et il évolue en combien? Enfin, niveau combien? Meganium 36, je pense. Comme ça. 30, ouais, okay. 32. 32, ouais. 32, ce Meganium est aussi assez sympa. Ouais, carrément. Donc... Même si je préfère Macronium. Oui. Putain, j'ai oublié de soigner Pokémon, mais je... Bon, de toute façon, je m'en fous si je pourrais équiper. De toute façon, je vais être sur cette route pour équiper. Est-ce que j'ai d'autres items à donner? Grain Miracle sera pour l'autre tâche, mais plus tard. Ouais, j'ai pas les mains encore. Il faudra que je regarde où est-ce qu'on le drop. Ah, je sais plus du tout. Sur cette version. Mais il me semble qu'on peut le choper vachement tôt, les mains. Ah bon? Ouais. Bref. Je vais me dire, putain, Medina, mais j'oublie en fait à chaque fois quand je vois un Pokémon, je sais, mais... Vas-y, qu'est-ce qu'il fout là? Après, c'est celui, c'est celui qui remplace Absol en fait. Ouais, bon, tout de suite c'est moins classe quand même. Hein. C'est sûr, hein. Quoique, moi, Medina, enfin, Grayena, c'est un Pokémon que j'avais dans mon équipe, ouais. Hein, de base. Ah, moi aussi, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup parce que c'est un Pokémon ténèbres et j'aime bien ça. Mais en dehors, enfin, je sais pas si. Non plus. Enfin, Grayena, il a la classe quoi. Il fait aussi genre chien un petit peu. Bah, chien des ténèbres, tout ça, je trouve ça cool. Mais en dehors de ça. Bah, en fait, il a une intimidation si qui est très utile. Intimidation qui baisse pas mal l'attaque. Qui baisse trop... l'attaque, ouais. Ouais. Et je crois qu'il est assez peu touché par les attaques psy. Bah, pas du tout, hein, puisqu'il est type ténèbres. Pas du tout. Ouais. Donc ça passe travers lui quoi. Enfin, ça passe travers lui, ça le touche pas. Effectivement, ouais. Il fait partie de ces Pokémon qui sont cool. Oh, moi, je vois qu'un peu. Attends, on va juste taper ça pour le. Pour faire l'épisode. J'aime pas ce Pokémon de merde. Avec Ekleon. Ouais. Ouais. Enfin, perso, c'est un Pokémon que je préfère en face de moi que plutôt dans mon équipe. Hein. Ah, oui, parce que honnêtement. Moi, je l'ai capturé juste pour compléter mon. Pokédex. Pokédex, pardon, ouais. Mais honnêtement. Il a pas d'évolution, il a pas de pré-évolution, il a rien, quoi, je veux dire. Je vais partir. Oula, tu lags mais sévère hein. Ah bon, ah bah je suis désolé. Il n'y a pas de raison en plus de ça, parce que je touche à rien depuis tout à l'heure, je suis que sur skip. Petit et puissant. Désolé. N'hésitez pas à prendre le nouveau skip pour tuer des clics. Oh là là, avec ton lag c'est magnifique, on a rien compris à ta phrase. Ah mais. Bon on va peut-être arrêter donc l'épisode là. Oh putain, attends, non je voulais dire. Attends. Ouais, donc je dis, donc je crois qu'on va plutôt arrêter cet épisode là. Oui. Voilà. Donc merci à toi Paka d'avoir accepté l'invitation hein, et d'être revenu. Bah encore une fois ça me fait plaisir, hein. N'hésite pas si c'est toi que tu t'ennuies. Oh. Parce que moi j'aime Pokémon. Pouvoir anti. Ah ça c'est bien ça. Oh. Au revoir ton broche. Ah non mais que 5, qu'est-ce qu'on vire? Je t'aurais bien dit de virer coupe, mais bon. On va virer pistolet, ouais. Tant pis. Ouais, bah de toute façon, t'as un Pokémon haut, vraiment pour les attaques. Ouais. Oui, voilà, donc ça pose pas de problème. Et donc, les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Un petit mot pour la fin. Ok, c'était un magnifique mot. Allez, salut tout le monde. A bientôt.